vient de paraître Jonathan Grimwood, Le dernier banquet au livre de poche. Il y a même une critique de Marina Carrère d'Ancos derrière. Ça veut dire qu'elle lit quand même. Hein. Ça s'appelle, elle dit, parce qu'elle le dit elle-même, un livre tout en sensualité, un peu cru. Quand vous l'aurez lu, vous comprendrez. Elle fait même dans le jeu de mots et dans l'humour. C'est quand même étonnant hein, avec la mère qu'elle a. Passionnant. Elle va jusqu'à dire que c'est passionnant. Hein. Marina Carrère d'Ancos, dans les déblogueurs, elle a dit ça. Et même, je pense que c'est dans les déblogueurs, elle est à vidéo, elle le dit en vrai. C'est quand même... Bon, physiquement, c'est dur. Mais bon, voilà. Oui. Donc, vous aviez... En fait, pour vous donner un... Si vous aviez aimé, il y avait le parfum de Susskind, où le gars était fasciné par le parfum absolu, pour essayer de définir ce que c'était que le parfum absolu. Et lui, c'est le goût. Et donc, vous êtes à la veille de la Révolution, et vous avez cet petit garçon dont les parents ont été assassinés à la veille de la Révolution par une révolte paysanne, et il va vivre cette Révolution, il va lui arriver absolument... C'est un livre d'aventure, hein, ça va... Des rebondissements, de l'histoire, enfin, c'est... Vous lâchez pas. Et vous allez... Il va vous parler du goût d'une façon absolument extraordinaire. Alors, je peux vous donner un conseil, ne mangez pas trop avant, parce qu'il y a des... Il va vous raconter des recettes qu'il fait qui sont pas piquées des vers, si j'ose dire. Ça, c'est aussi, c'est de l'humour, mais il faudrait que vous lisiez le... C'est... Bon, ce livre, on est un peu à la base du succès, parce qu'on avait fait, justement, avec Marina, et puis le magazine de la santé, et Valérie Expert sur LCI et sur France Info, on avait fait le maxi pour que ce livre sorte un peu d'anonymat, et ça, hyper fonctionnel, les gens ont adoré. Donc, si vous avez aimé le parfum, vous, c'est pas cher, hein, ça vaut 7,90€, alors, voilà. Et là, vous allez passer un excellentissime moment, et c'est très très fort, parce que je me souviens du livre. Donc, je peux vous dire, c'est un critère, parce que vu le nombre qu'on lit, et dont on se souvient même pas de l'histoire, ni de la couverture, ça, c'est une référence.